Mais qu'est-ce qu'il fait, Mkolo? Là, il cherche la position du micro pour pas s'énerver durant la vidéo. C'est bon? Ça a l'air bon. Je suis pas très convaincu. Tu sais que si le micro se relève d'un coup pendant le tournage, c'est ma chaîne YouTube, mais c'est votre chaîne YouTube, c'est... Il est déjà 16h. Et attends, juste avant de commencer la vidéo, je te rappelle que Eneba est partenaire de la chaîne et sponsorise cette vidéo. Eneba qui propose dorénavant, depuis un petit moment maintenant, la vente de produits physiques d'occasion. Le slogan, tu ne joues plus avec, vends-les. Et ben fais-toi plaisir, en plus t'as 5€ bonus pour ta première vente. Si maintenant voilà, vous avez quelque chose qui traîne, que vous voulez vendre ou que vous n'arrivez pas à vendre, bah vous pouvez essayer sur Eneba. Peut-être que ça intéressera un acheteur. Et n'oublie pas de me suivre régulièrement sur les réseaux sociaux parce que je te partage parfois des bons plans quand il y a des codes promo, quand il y a des frais de livraison gratuits, etc. Plein de choses comme ça, donc voilà. Et encore un grand merci à Eneba pour leur confiance et pour ce sponsor de la vidéo. Et bien salut à toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 sur FSG Map. Alors oui, attendez, juste l'incrustation fond vert, vous inquiétez pas, elle va revenir. Je vous vois venir là en commentaire en mode ouais ça y est, t'enlèves le fond vert, non. Mais en fait, comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, comme j'ai tout refait mon setup et tout, et vraiment hein... Ah oui non pardon. Non, je vous explique, j'ai une armoire à ma droite et là elle est toute vide parce que j'ai du coup mon G27 devant moi et comme j'ai tout rangé dedans, enfin bref, j'ai pas encore l'habitude. Et donc bref, mon fond vert il est en lavage, voilà, donc il reviendra, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème à ce niveau là mais pour le moment il n'y a pas d'incrustation fond vert et je m'en excuse et j'espère que ça vous dérangera pas pour cette vidéo. En tout cas voilà, aujourd'hui on est mercredi au moment où cette vidéo sortira. Au moment où je tourne, nous sommes le 1er janvier 2021, voilà, non... Je suis un petit peu en retard. Non, le 1er janvier 2022 les amis. Et voilà, je suis très content, c'est la nouvelle année, c'est incroyable. Ça ne change absolument rien à la vie, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va un petit peu en parler là de ce réveillon. On va parler de plein de choses. On va parler de plein de choses aujourd'hui, mais on va peut-être commencer à rouler un petit peu. Parce que je vous sens un petit peu pressé les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment. On est sur FSG Map, évidemment. Et donc là, nous allons... Merci pour vos retours là sur la dernière vidéo. On a découvert Belfort qui est dans les Vosges, hein, bien évidemment. MDR, lol. Oh, ça va. Eh hey, la géographie et moi ça fait on s'en fout. Et puis bref, donc là on va repartir de Mulhouse, enfin plutôt de Morgevillers, hein, c'est à peu près ça. Et on va aller ici à côté de Wittelsheim, enfin à Wittelsheim hein, concrètement. On va transporter quoi? Je ne sais plus, je vais regarder. On est avec ce Mercedes Actros, du concentré de jus. Voilà, 27 tonnes de concentré de jus. Donc on va bien se concentrer et on va partir. Attendez, hop, tac, bam, bam, je vérifie que tout est bon, ça fait depuis très longtemps que j'ai pas touché à quoi que ce soit. Hop, on met les feux, hop, tac, et bah voilà. Et bah je crois que... Ah la vache à la gigine, attends. Hop, et bah voilà, bah c'est bon, on peut partir, là je suis très content. Ça va bien se passer, je pense. Attendez, est-ce que le son est bon là? Je pense que le son est bon. Le son est bon, le ciel est bleu, hop, voilà, je vérifie juste un petit peu, j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Là, on va donc à droite, bon ici on connaît, hein. On était déjà là. Donc les amis, juste petit rappel, FSG Map, donc la map qui représente l'Alsace, en tout cas une partie de l'Alsace. Attendez, vous m'avez dit en commentaire que j'aurais raté quelque chose aussi, attendez, bien sûr, ouais mais faut le savoir aussi, attends frère. Ah bah voilà, il y a Mont-Genève qui est... Waouh, oh j'ai trop hâte, oh bah bien sûr. Ah bah bien sûr on fera ça. Donc c'est dans les je sais plus où, dans les Alpes, je vais dire au hasard. De toute façon vous savez que ma géographie, je sais plus, vous me l'aviez dit en commentaire, je vous en remercie. Fallait le savoir quand même, c'est vachement loin hein. C'est vachement loin. Donc là les amis, on va se concentrer sur cette map FSG Map. On va faire pas mal de vidéos dessus. Et une fois qu'on aura tout bouclé, qu'on aura vu un maximum, eh ben on découvrira de nouvelles maps en parallèle. Et aussi bien sûr on retournera sur ProMod et on ira en Islande. Ouais, je suis toujours pas convaincu du nom du pays, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Ça, c'est ce qui est sûr.
Hop, et je suis, alors oui, attendez, parce que vous avez été très nombreux à me poser la question, je suis en 1.42, encore maintenant, je ne suis pas passé en 1.43, je vais vous expliquer pourquoi, bah tout simplement parce que c'est pas compatible, et que j'ai pas envie de me mettre dans la sauce, ce serait vraiment dommage, donc je suis resté en 1.42, et une fois qu'on quittera cette map, et ben à ce moment là, on ira en 1.43, ne vous inquiétez pas, donc voilà, on a un petit peu de retard au niveau des mises à jour, mais c'est pas bien grave. Je suis repassé sur la casquette aussi, oui, ça c'est pareil, c'est comme j'ai tout déplacé de mon setup, j'ai des problèmes avec les câbles et ça me fait chier. Donc j'ai tout simplement aïe, j'ai cassé le pare-choc. C'est pas bien grave. Eh, il me refait le même truc que l'autre fois, la calcul de l'itinéraire. Il me fait exactement la même chose que dans la dernière vidéo, ouais. Ça va la comédie, hein. J'espère que c'était ici que je devais aller, hein. Ouais, bref, vous savez, là, le track hier, en fait, sur le casque ici, bah, ça fait un câble et ça me dérange. Je l'ai enlevé, je suis repassé à la casquette. Comme de toute façon, je porte une casquette parce que j'ai les cheveux longs. Donc, voilà, comme ça, moi, je me mets bien. Vous voyez toujours mon très beau visage. Puis voilà, je pense que ça changera pas grand chose à la donne. Donc, jusqu'ici, on connaît. Ce sera après qu'on va découvrir de nouvelles routes. Ça va être très sympa. Et j'espère que vous allez kiffer, j'espère qu'on va kiffer ensemble. On va passer du bon temps là, ça y est. On est en 2022. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et avant d'en parler, je voulais aussi remercier eh bien My Godness et L7C Fox, plus particulièrement ces deux personnes là. Je suis tellement content les gars, parce que, alors on va quand même remettre les choses dans son contexte. My Godness, non, on va commencer par L7C Fox. Je crois que c'est dans cet ordre là. On va commencer par L7C Fox. Je rappelle quand même que moi je me suis mis aux vidéos Euro Truck il y a plus d'un an maintenant. C'est vrai que le temps passe vite, hein. Oh punaise, il y a les poulets. Il y a les contrôles aujourd'hui, hein. À mon avis c'est à cause du réveillon là, il vérifie les tests d'alcoolémie là. Bref, et donc ouais, je me mets aux vidéos dessus et je ne sais plus comment j'ai fait pour découvrir L7C Fox. Ah si, c'est un abonné il me semble, et en plus je me sens con parce que je sais plus c'est qui, mais il y a un abonné qui m'a dit ouais, il y a ce youtubeur, il parle de toi, L7C Fox. Alors déjà frère, le pseudo à l'époque, je m'en rappelle, c'était un calvaire, hein. J'arrivais pas, ton pseudo L7C Fox, je n'y arrivais pas, c'était attends, comment je t'appelais du coup? Parce que maintenant c'est logique, LC7 Fox, quelque chose comme ça, je n'y arrivais pas. Et bref, et donc j'ai trouvé cette vidéo où il parlait de moi, L7C Fox, et j'étais trop content à cette époque et tout. J'avais. Enfin voilà, j'étais trop content. Ma compagne aussi était contente, et puis voilà, on était en mode ouais, putain, ça fait plaisir qu'on parle de moi, parce qu'en fait il présentait des vidéastes, créateurs de contenu sur Euro Truck. Et donc j'ai trouvé ça super sympa, il a bien expliqué mon contenu, etc. Et voilà, j'avais commenté, et de là je sais même plus qu'est-ce qui s'est passé, mais au fur et à mesure on se faisait plein de clins d'œil durant les vidéos. Moi je lui faisais des clins d'œil dans mes vidéos, il me faisait des clins d'œil dans ses vidéos, et on en arrive aujourd'hui. Et ben c'est trop stylé parce que ça partait de rien. Ça partait de rien. S'il n'avait pas parlé de moi dans une vidéo, si un abonné ne m'avait pas prévenu, je pense qu'on ne se serait jamais connu avec L7C Fox et Miss, bien évidemment, que j'embrasse tous les deux. Et du coup, bah, quand on est arrivé là pour cette fin d'année, je me suis dit, ben, vas-y, j'ai trop envie de refaire participer mes acolytes pour souhaiter une bonne année à toute la communauté. Et je me suis dit, oh, j'ai envie de faire une surprise. J'ai envie qu'il y ait L7C Fox et j'ai envie qu'il y ait My Godness. Et c'est pareil, My Godness à la base, créateur et développeur de la map Grand Utopia et maintenant My Gotopia. À la base, voilà, pareil, je ne le connais pas, je suis pas proche de lui, rien de tout ça. Juste, je fais des vidéos sur sa map. Un jour, il commente une de mes vidéos en disant ah, bah, c'est vraiment gentil, nanana. Je continue, on continue, on commence à s'écrire. Et là, il me propose, il me parle de son projet My Gotopia en avant-première. Il me fait faire l'honneur, il me donne l'honneur d'être le tout premier en accès pré-anticipé de son add-on My Gotopia, qui est un honneur, fils de. Pardon. Oh! On fait pas ça! Pardon. Et bref, et pareil, ça part de rien et on se retrouve là. Et donc pareil, je me suis dit, j'aimerais trop que voilà, on fasse une vidéo bonne année, que tous mes acolytes disent bonne année et qu'on retrouve L7C Fox et My Godness. Et ils ont, je suis désolé pour la frayeur à gauche, et ils ont accepté tous les deux avec très 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 grand plaisir et sans aucune difficulté. Et voilà, je suis trop content, donc je vous fais des gros big up à vous deux, un grand merci. Et j'étais trop content parce que ben, vous aussi dans la communauté, vous étiez tous en mode oh super la surprise d'avoir vu en vrai My Godness, que L7C Fox il ait fait aussi un clin d'œil, qu'il soit présent sur la vidéo, enfin voilà, vous étiez pareil, surpris et content, et c'était exactement l'effet que je recherchais. Voilà, moi je suis vraiment très heureux de ça. On a eu Anaïs évidemment, Lady de Le Classique, Kef Kefko et Arthur avec moi.
Et Créo. Ah oui, alors parce que sur la vidéo YouTube, il n'y avait pas Créo, mais il est sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller regarder, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et voilà, il y avait à peu près tout le monde. Hein. Bon, après, il y a des personnes qui pouvaient pas et il n'y a pas de problème à ce niveau-là, je ne leur en veux pas. Mais donc voilà, en tout cas, je suis vraiment content de ces apparitions. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez passé un bon réveillon et de très belles fêtes de fin d'année, parce que maintenant on peut en parler. Alors maintenant c'est derrière nous, mais on peut en parler puisque on est sorti de ce truc. Quand on était en plein dans les festivités, on n'allait pas en parler puisqu'on profitait chacun de ces événements. Et là on a Vittelsheim à notre droite. Zone artisanale en tout cas. Bref, et ouais, j'espère que vous avez passé du bon temps, que tout s'est bien passé de votre côté. Après, on peut parler de plein de choses. Hein. On peut parler politique, on peut parler de voilà, tout ce que vous voulez. Moi, il y a des trucs qui m'ont un petit peu dérangé. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où la vidéo sort, normalement, il y a un conseil de défense là. Hein, il me semble. Hein. Donc normalement, dans la soirée, si c'est déjà pas fait, dans la soirée, il y aura Castex qui devrait parler pour dire qu'on sera confiné. Non, je rigole, mais il va parler hein, normalement aujourd'hui. Alors entre temps, ça aura peut-être changé, mais au moment où je vous parle, il est censé parler mercredi. Enfin non, il est censé en tout cas avoir un conseil de défense. D'ailleurs c'est pareil, je suis en plein débat, je ne comprends pas. Pourquoi on dit conseil de défense? Et pourquoi c'est pas un autre conseil? Parce qu'il y a plusieurs conseils, il y a conseil... Il y a quoi? Il y a conseil de défense, oui. Il y a conseil de santé, non? Enfin, je sais plus, il y a plusieurs conseils. Pourquoi on dit défense? Parce que c'est, tout ce qui est sanitaire, c'est pas de... Enfin, je me suis demandé, c'est bizarre. Bon bref, c'est une autre histoire. Je suis un petit peu excité là, c'est le 1er janvier, moi je suis content. Col des Vosges? Non, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire, mais j'ai cru voir Col des Vosges. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, voilà, bah, on verra ce qu'il va nous annoncer, mais... Ouais, j'ai vu, j'espère que vous avez été sage. Hein. J'espère que vous avez été sage durant le réveillon. Voilà, moi j'étais sage. Alors pareil, par contre je sais pas si vous avez ce même feeling. Après je pense, en vrai j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, que je suis pas le seul à penser ça. Bon, il y en a c'était un peu plus triste, il y en a c'était même la magie de Noël qu'il y avait pas. Alors je sais pas, dites moi, est-ce que... Parce qu'en fait je crois qu'il y en a qui sont en train de grandir entre guillemets un peu tard ou pas. Mais enfin, parce que, comment dire, quand on est enfant la magie de Noël, bah elle est là quoi, on s'en branle on s'en fout de l'actu, juste il y a la magie de Noël. Mais quand t'es adulte, enfin... Tu fais l'effort pour les enfants, mais en réalité, il n'y a plus vraiment de... Enfin, ça n'existe pas. Tu peux pas... Enfin, je pense pas que tu peux avoir 30 piges ou 40 piges et... Enfin, déjà, tu crois plus au Père Noël. C'est logique, mais je veux dire, il y a plus de... Enfin... Parce que les gens, ils sont en train de... J'ai vu sur Twitter, les gens en train de chialer, en train de dire « Cette année, Noël, c'est vraiment plus pareil. Mais, » mais fuck Covid, c'est juste, ça a aucun rapport. C'est juste que tu grandis, je pense. Non, je sais pas. C'est... Non, je sais pas, tu... C'est pas... Enfin voilà. Ah oui, s'il y a des jeunes, bien sûr le Père Noël existe, j'avais oublié, mais le Père Noël existe. C'est juste qu'il passe par Amazon, mais ce que je veux dire c'est que... Enfin bref, tout ça ce que je voulais dire c'est que la magie de Noël en vrai... J'aimerais vous parler du Nouvel An, c'est pour ça que je vais y venir, mais ceux qui disent ouais il n'y a pas de magie de Noël cette année, bah en vrai je suis désolé mais ça, c'est propre à chacun, je pense qu'il n'y en a jamais eu, ou alors il y en a toujours eu. Tu vois ce que je veux dire, c'est propre à chacun et je pense pas que ça ait de rapport avec le Covid. Par contre, pour ce qui est du Nouvel An, je trouve que cette année-là, déjà l'année d'avant c'était pas terrible, mais je trouve que cette année-là, ce passage-là, c'était le plus catastrophique. Alors il y en a... Voilà, moi j'ai passé du bon temps en famille, voilà, on n'était pas beaucoup, on était tranquille ou bilou, on n'a pas gueulé comme des cingos à minuit, mais on est resté pour dire que... Mais il y en a qui ont dû faire beaucoup la fête, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez fait, j'espère que vous étiez pas dans des rêves parties, parce que c'est interdit. Mais en tout cas, c'était pas pareil. Mon téléphone, d'habitude, c'est un vibromasseur. Alors tu vois, j'ai pas beaucoup d'amis, moi. Mais normalement, les téléphones, c'est des vibromasseurs, en fait, le Nouvel An. Parce qu'il y a tous les hypocrites qui apparaissent de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. C'est où que je dois tourner? Enfin bref, tu sais, les gens que tu t'as jamais parlé de l'année et qui arrivent à la fin de l'année pour dire « Ouais, bonne année ouais. !» Je crois que j'ai raté l'entrée, non? J'ai totalement raté l'entrée, c'est pas grave. Je vais refaire un tour. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve... Ah mais si, c'est par là. Et ben voilà. Eh, je suis un boss ou pas? Bien sûr, je suis un boss. Je vous ramène le pâté là, je sais plus ce que je transporte. Ouais, du concentré de jus. C'est pas vraiment du pâté, mais c'est à peu près pareil. Bref, ouais, donc je sais plus ce que je disais. Ouais, bah cette année, c'était pas un vibromasseur mon téléphone. Hein. Je vous le dis, je vais être très sincère avec vous. Attendez, on fait la livraison et je continuerai ma phrase après parce qu'on va faire une deuxième livraison, hein, vous inquiétez pas. Eh les gars, ça fait même pas 15 minutes de vidéo, évidemment. Mais c'est trop complexe. Mais pourquoi il fait ça? Oh, c'est encore moi qui ai raté.
C'est un sens interdit. Je me suis... Oh, je suis vraiment un âne. Je suis vraiment un âne. C'est pas possible d'être aussi con, non? Ah ouais, j'aurais dû venir de là-bas. Mais non, il y a des remorques. Je ne comprends pas. Je comprends pas ce que j'aurais dû faire, mais je vais le faire. Il faut que je passe là. Ah oui, bah oui. Ah, je suis un peu bête. Excusez-moi, hein. Eh, vous savez, moi et la géographie, bah c'est pareil. Mais tu vois, même la géographie dans un parking, j'ai du mal, non? C'est pas compliqué. Hop, là, il n'y a pas de problème. Faut juste pas arracher une voiture. Ça, c'est vraiment le dernier des problèmes à avoir. Voilà. Ça, c'est complètement con d'avoir mis ça, là. Mais je comprends pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave. My goodness, faut que tu passes par là. Non, je rigole. Ah bah ouais, en plus, bah tu sais quoi, par contre, vous avez vraiment cru que j'allais me casser les couilles? Non, peut-être pas non plus exagérer des bonnes choses, hein. Voilà. Oula. Hop. Et on est y part. Mais attends, tu peux pas passer par là, c'est pas possible. Enfin, sans fracasser le Merco, je vois pas comment, hein. Allez hop, tac tac tac. Hop. Vous savez, moi je suis très matérialiste, donc j'ai pas envie de tout casser, moi, hein. Allez, bam. On va se la mettre. On va se la mettre, calmons-nous quand même. Tout va très vite entre nous, les amis, je trouve, hein. Vous avez peut-être mis le pouce bleu, c'est peut-être pour ça aussi. Hop. Et voici, messieurs, dames. Hop. Ça, c'est fait. Attendez. Voilà, on a fait 11 km. On est vraiment allé au bout du monde, là. C'est génial. Mais elle est sympa, cette map, là. J'aime beaucoup, hein. Allez, on continue, les gars. Marché du travail. Non, attendez, j'ai des emails. Très important, les emails. Besoin de chauffeur, besoin d'argent. Non, voilà, bah moi j'ai besoin de rien. Besoin de rien, envie de toi comme on dit, hein. Bah écoutez, tu sais quoi, on va repartir je pense de là, hein, de Vittelsheim. On va voir ce qu'il nous propose. Donc là, c'est mort, on va pas là, c'est mort. Non, ça revient au même, ça c'est chiant. Oh, ouais, mais là il nous fait faire repasser tout, c'est chiant, la flemme. Ah, mais on n'a pas le choix aussi. Ah ouais, alors attends, oublie. Alors ça on oublie. On va changer le point de départ, vous inquiétez pas. Voilà, ça je préfère. Voilà, ça c'est plus sympa. Donc là on repart de Mulhouse et on va aller à Enzisheim. C'est-à-dire que moi j'avais... Hey, franchement, putain, je suis vraiment un cassos. Dans la dernière vidéo, je vous disais que là c'était l'Allemagne, quoi. Je suis vraiment le pire des boulets. Et là on transporte du lait. Voilà, du lait. L'offre expire dans une minute. Pas le temps de niaiser. Oh, c'est beau. Je vais faire comme L7C Fox. Dans ses intros de vidéos, il me fait de plus en plus rire. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle encore de L7C Fox, j'ai des trucs à dire. Mais tu sais, dans ses intros de vidéos, L7C Fox, il est là, il boit. Ou alors il nettoie son volant et il est là, il fait « Oh, vous êtes déjà là !» Voilà, bah, moi ça me fait kiffer. Il faut que je vous en parle d'un truc après. Attendez, par contre, je sais pas où poser mon verre. Hop. Voilà, ça le fait. On a 23 minutes, bah ça va. Et on est encore dans un beau Merco. C'est exactement le même qu'avant, non? Je ne sais pas. Voyons voir la remorque, nos pâturages bien sûr, c'est du lait, hein. On fait gaffe, c'est du lait, on va éviter de faire tourner le lait. Et on est parti. Je crois qu'on aura quand même pas mal d'autoroutes malheureusement, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Attendez. Je dis salut aux éleveurs. On se connaît bien par ici. Ouais, mince, j'ai tellement de trucs à dire, je me suis perdu. Je parlais de quoi tout à l'heure? Avant la fin de la livraison. Putain, qu'est-ce que je disais? Oh la vache. Bah oui, c'est le cas de le dire, la vache. Je disais un truc. Le nouvel an et un... Oh la vache, je sais plus ce que je disais. Oh non, ça commence si tôt. Ça commence si tôt. Qu'est-ce que je disais, bon du ouf. Je sais plus ce que je disais. C'est horrible. Il faut que je fasse une pause et que je regarde ce que je disais, je vous jure, parce que c'était important. Je reviens. Voilà, j'ai regardé le rush. Bon, en fait, c'était éclaté au sol ce que je disais. C'était éclaté au sol ce que je disais. Mais c'est pas grave, je vais terminer quand même. Donc, je vous le disais. Avant de terminer la précédente livraison, je vous parlais du vibromasseur. Alors, hors contexte, c'est très bizarre. Je vous disais, voilà, le téléphone qui vibre pas et que, voilà, cette année... Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que très honnêtement, cette année, j'ai souhaité, par SMS, Snapchat, tout ça, j'ai souhaité la bonne année, je crois, à 4 personnes au total. Voilà, c'est tout. Clairement, Anaïs, j'ai répondu à une pote, à mon cousin et forcément une quatrième personne. Bah Arthur, mais Arthur c'est son anniversaire aussi le premier. Voilà, 4 personnes. Il me semble que c'est que à eux.
Ah oui, et puis bien sûr, non, bien sûr, l'IDID, je lui ai écrit sur Discord parce qu'on en avait parlé, etc. Mais voilà. Mais sinon, voilà, les vraies bonnes années à minuit, comme ça, bah franchement, rien fait quoi, 4 personnes, c'est tout. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Bref, donc là, le plus important, là, ce que j'avais vraiment envie de vous dire, concrètement, c'est merci pour vos retours, voilà, sur les dernières vidéos, donc le best-of. Le best-of, j'ai vu tous vos retours. La vidéo bonne année aussi, ça on en a parlé avant, je vais pas y revenir. Par contre, j'ai pas encore vu vos retours sur la vidéo sur le casque VR, sur la réalité virtuelle. Parce que au moment où je tourne cette vidéo, je vous l'ai dit, on est samedi 1er janvier et la vidéo elle sort le dimanche 2. Et les gars, parce que je vous connais, hein. Oh, il y a des travaux. Attends, on regarde peut-être la route quand même. Route barrée. Bon courage, messieurs, dames. Je vous connais, j'espère vraiment que vous avez vu cette vidéo. Je vous la mets en fiche ici. Je vous la mets en fiche en haut à droite, il faut absolument que vous regardiez cette vidéo. Si ça se trouve, elle a extrêmement bien marché et vous l'avez appréciée. Mais moi, j'ai un a priori, c'est, je me dis vous l'avez pas vue. Et c'est bien dommage, il faut vraiment que vous la regardiez les amis, vraiment, hein, regardez-la. En plus, ça dure quoi, 10 minutes et voilà, on a passé trop du bon temps, donc vraiment regardez cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Là où je voulais en venir, c'est merci pour vos retours sur le best-of. C'est vrai que l'intro du best-of, je me suis un peu lâché parce que... Alors vous avez pas tout vu et j'ai pas tout dit comme je voulais le dire. J'ai été très maladroit par contre et c'est bien parce que visiblement ça n'a dérangé personne et donc je suis content, mais j'ai été très maladroit dans mon discours. Je m'en suis rendu compte avec le recul parce qu'en fait du coup voilà, je vais pas et ça fait, c'est la troisième fois qu'on passe ici, hein, on reconnaît, hein, mais c'est pas grave. Quand j'ai fait l'intro du best-of, je me suis laissé aller, je me suis lâché, voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, ce que je pensais sincèrement et ça m'a fait du bien et vous m'avez grave soutenu en commentaire et vos commentaires m'ont ultra touché pour de vrai. Mais du coup j'étais un peu maladroit dans les formulations. Putain. Attends, c'est vraiment réaliste hein, quand même, ça me plaît beaucoup. Et ouais, vraiment vous m'avez régalé et malgré que j'étais maladroit par rapport à... Enfin... Je me suis trouvé maladroit, après c'est peut-être pas ce qui a été ressenti et tant mieux, mais je me suis vraiment trouvé maladroit, voilà. Ça vous l'aurez compris, ça fait 10 fois que je le dis à peu près. mais voilà, le petit best-of qui fait plaisir et puis voilà. Je voulais parler aussi, je parle de beaucoup de choses parce que c'est le début d'année et ça fait beaucoup de choses à dire. Ça fait beaucoup de choses à dire, mais... Concernant le casque VR, donc je l'ai testé une fois. C'était ma première fois. Donc la vidéo qui est sortie dimanche dernier. C'était ma seule fois et première fois. Avec un vrai casque VR, j'entends. Hein. Parce qu'à l'époque, j'avais essayé avec les vieux trucs tout pourris où tu mets ton téléphone, etc. Et du coup, j'avais une autre image de ce que c'était. J'étais en mode, bah ça fait mal aux yeux, c'est fatigant, c'est éclaté au sol, etc., etc. Et en fait, le fait d'avoir testé le casque VR, bien que ça m'a bien déstabilisé au début... je continue tout droit. Ça m'a déstabilisé au début, mais en fait le temps passe extrêmement vite et c'est vrai que ça fait pas mal aux yeux. Alors je suis pas persuadé. Et là vous m'entendez plus. Allô ? Vous m'entendez encore ? Il y a eu un bug de micro je crois. Je suis pas persuadé que ce soit très très bon pour les yeux le casque VR. Je vais être très honnête avec vous. Surtout que tu peux même pas combiner. Ah si, tu peux combiner des lunettes. Tu peux mettre des lunettes sous le casque VR. Donc tu peux mettre les lunettes Gunnar. Voilà. Mais bref, je suis pas persuadé que ce soit très bon pour les yeux. Mais en tout cas tu peux y passer du temps sans trop te fatiguer. En tout cas. Et c'est vraiment cool. Et c'est vraiment cool. Et c'est vraiment cher. Donc l'Oculus Quest 2 il coûte 350 balles. Est-ce que je vais l'acheter? Je sais pas. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de l'acheter, voilà, je vous le dis. Mais en fait ça m'embête, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est... Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est comme mes investissements audio, hein, c'est ma chaîne YouTube, mais c'est votre chaîne YouTube, c'est une... Eh, hey, j'avais dit que ça arriverait un jour. C'est notre chaîne YouTube. Allez, je vais continuer la vidéo comme ça, j'en ai rien à péter. Hein. Casse les couilles. C'est notre chaîne YouTube, donc je vous le dis, mais si j'achète le casque VR, je me sens tellement con, si j'achète le casque VR, ce serait pour le coup un des seuls investissements que j'aurais fait de toute ma vie qui n'est pas un investissement. Sauf si la vidéo qui est sortie dimanche a fait 1 million de vues, ce que je doute. Mais... En vrai, c'est pas un investissement si j'achète le casque VR, c'est uniquement pour mon petit plaisir.
Donc j'attends un petit peu encore. J'attends un petit peu parce que je sais pas si je vais vraiment l'utiliser à long terme et beaucoup. Parce que moi, je prends le casque VR, je n'irai jamais sur VRChat, hein, les gars. C'est pas ma cam, ça. Hein. C'est pas. Non, j'ai pas envie d'aller voir des gens bizarres. J'en ai rien à foutre. Moi, si je prends le casque VR, c'est pour faire du Euro Truck. Pour faire des tests comme ça, aller dans l'espace. Mais voilà, c'est pareil. Je vais pas faire ça, je pense, tous les jours, quoi. Donc c'est pour ça, est-ce que vraiment ça vaut le coup? J'en ai absolument aucune idée. Donc j'attends encore un petit peu et sur un coup de tête on verra. Ça sert à rien d'attendre les soldes, hein, je pense, parce que ça restera toujours à 350€. Merci Mark Zuckerberg. Donc de toute façon voilà, c'est pas, ce sera jamais soldé, je pense. Mais voilà. Donc est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas. C'est telle est la question. Et pendant ce temps-là, Arthur il me fout le seum parce que il a pris le G29. Il a pris le G29 et il a le casque VR. Il a tout. Voilà, il se met très très bien. Après, il y a un problème ce micro, les gars. Allô, vous m'entendez? Il a un problème ce micro, hein, je vous le dis. Allô, allô, allô. Ah, c'est bien de faire des tests en début d'année comme ça. Ce micro-là, vous allez plus le voir très longtemps, je pense aussi. Hein. Il a un problème, hein. Et là, vous m'entendez de nouveau. Je ne comprends pas. Mais ça, on va repartir sur le Blue Yeti, mon frère. On va rien comprendre. Bah c'est de l'autoroute, donc ça c'est pas trop mal. Je vais essayer de remettre le micro. Je vais essayer, je dis bien. Attention à vos oreilles, messieurs, dames. Hop. Et voilà. Il faut jamais lâcher le volant, les amis. Hein. Ça c'est très important. Mais voilà, moi je suis un professionnel à un moment donné. Je veux dire, je peux me permettre certaines petites folies. Non, non, toi tu remontes pas. Hein. Tu me casses pas les dents. Eh, juste, je me le suis pris dans le nez tout à l'heure, hein. Ça m'a fait mal quand même. Je l'ai pas montré, mais ça m'a fait mal. Hein. Eh, faut pas exagérer des bonnes choses. Oh ouais, je veux parler d'S7C Fox. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il est génial. Eh, je vous jure, hein, dans ses vidéos, plus tu regardes ses vidéos, et plus, c'est pas négatif, mais plus c'est de pire en pire les boulettes qui lui arrivent, le pauvre. Avec la neige, les verglas, tous les trucs comme ça. Je vous jure, c'est une folie. J'adore. Voilà, c'était. En fait, je voulais juste dire ça. Ah oui, c'était pas long, hein. C'était pas long pour le coup. Guebwiller à droite. Très bien, regardez un peu les panneaux. Strasbourg. Wittenheim. Bon, après, voilà, c'est l'autoroute, hein. Ça, c'était. C'était carrément sûr. Ouais, des avions de chasse, c'est le deuxième qu'on voit là. En vrai, c'est vachement bien le casque. Hein. Il détecte beaucoup mieux. Il détecte beaucoup mieux que le dispositif sur le casque en lui-même. Hein. Je trouve. Bon. Ça vaudra jamais un casque VR. Hop, le troisième rafale qui passe au-dessus de notre gueule. Je l'ai vu dans le rétro. Hein. Ah bah voilà, il est devant. Bref. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous passez du bon temps en ma compagnie. J'espère que je vous ai pas trop saoulé parce que c'est vrai que... C'est vrai que mine de rien, j'ai beaucoup parlé. Vous venez de vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est pas vrai? Alors à 90 km/h, on s'arrête assez rarement. C'est le quatrième rafale qui passe. Il faut peut-être pas non plus exagérer des bonnes choses. Hein. Enfin, un rafale, oui, non. Après, les puristes, ils vont me dire c'est pas un rafale, c'est un avion de chasse. Excusez-moi. Hein. Mais en tout cas, voilà. J'aurais beaucoup parlé. Et c'est cool. Par contre, ce qui va m'embêter, je pense, c'est qu'on va faire que de l'autoroute. Hein. Là, pour le coup, durant les 14 minutes restantes de notre vidéo, ça va être que de l'autoroute. Et ça, c'est vraiment dommage. Par contre, je veux clairement, je vous le dis, hein, la prochaine vidéo, si c'est possible, hein, si l'émission me le propose, d'aller en bas, là, dans les Alpes. Je dis ça au hasard parce que je sais plus où c'est. Mais clairement, j'ai vraiment envie d'y aller. Hein. Là, pour le coup, je vais pas vous mentir, je viens d'entendre encore un avion de chasse. Hein. D'ailleurs c'est pareil, là parce que là récemment je me pose beaucoup la question de est-ce que je m'achète le casque VR ou pas, mais faut savoir que du coup ça m'a permis de répondre à une autre question que je me posais pas vraiment, mais vous me posiez la question de est-ce que j'achèterai un jour le G29, sachant que j'ai le G27. Et j'étais toujours en mode bah je sais pas, et c'est vrai que j'étais dans l'optique de si un jour il y a une bonne affaire de ouf, mais de ouf ouf ouf, je me disais que j'allais le prendre, mais en fait mais que nenni en fait, je suis en train de réaliser que concrètement ça ne me servira à rien. J'ai le G27, il fonctionne très bien. S'il fonctionnait plus, alors oui, je passerai sur le G29, c'est d'une logique sans nom. Mais
Il fonctionne très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Ça fait plus d'un an. Et en vrai, le G29 est beaucoup plus joli. Il a plus de boutons. Il est mieux visuellement. Mais si maintenant j'avais un casque VR, je le verrais même pas le volant, frérot. Et non, mais même. Et puis de toute façon, je passe pas mon temps à regarder le volant. Et puis il est pas moche, hein, de toute façon. Il est pas. Le G29 est beau, mais le G27 il est pas non plus moche. Moi je regarde l'écran, je regarde pas le volant. Donc du coup ça m'a permis de répondre à cette question à moi-même. Je me suis dit bah en fait quoi qu'il arrive j'achèterai pas de G29 là comme ça sans aucune raison. S'il me lâche, la question peut se poser. Mais là il fonctionne très très bien. Donc je vais vraiment rester sur le G27 et c'est tout ce que je peux vous conseiller. Les gens qui veulent à tout prix prendre un G29, je pense que c'est pas une bonne idée. Après si les prix deviennent raisonnables en vrai, les prix deviennent raisonnables et comme dit le G27 c'est difficile à trouver hein. Enfin, donc forcément oui si, penchez-vous vers le G29. Oubliez ce que je viens de dire. Mais en tout cas dans mes paramètres à moi, je vais pas prendre un G29 alors que j'ai le G27. Voilà, comme ça vous le savez. En vrai je pense que je m'éclaterais de ouf à faire du Euro Truck avec le casque VR. Maintenant que j'ai essayé le casque VR, je peux le dire. Alors qu'avant justement je trouvais ça naze. Comme j'ai essayé. Putain mais pourquoi le micro il bug? Oh c'est bon, prochaine vidéo. Oh les gars, prochaine vidéo ce micro il est plus là hein. Allô. Allô allô allô. Bon, c'est officiellement la dernière fois que j'utilise la table de mixage. Hein. Bref, je disais donc, pour ceux qui m'entendent encore, je disais donc, 1-2-1-2 Houston, la Terre, ici, vous me recevez? Ça marche bien. Ah bah, du coup, le micro remarche. Je disais donc... Qu'est-ce que je disais, putain, je sais plus ce que je disais, oh là là, j'ai le seum. Ah oui, bah que je m'éclaterais avec le casque VR à jouer Euro Truck. Mais après, le problème, c'est vous proposer des vidéos avec. Je pense pas que ce soit terrible, parce que ben vous me verrez pas et après à voir, hein, on peut toujours essayer, mais... Attendez, j'ai une idée. Tu serais chaud que je teste une fois chez toi et en vidéo le Euro Truck avec le casque VR. Comme ça, je me fais une idée si je le prends ou pas. Le TS2 en VR, c'est trop bien. Vraiment, c'est... T'es dans le camion. Et ouais, si tu veux le tester... De toute façon, moi, à partir de lundi, je reçois le mien. Allez, ça c'est pesé, remballé. On testera Euro Truck en casque VR. Hein. C'est pour ça, il faut que vous regardez la vidéo qui est sortie dimanche dernier. Si vous l'avez pas encore vue, les gars, il faut la regarder. Hein. J'insiste, je force. Mais c'est bien vrai. Hein. Et on arrive à destination, là, ça y est. Prochaine vidéo. Ce serait trop bien qu'on puisse aller en bas. Enzisheim. Salut. Pourquoi? Sur le GPS, il y a du rouge là. J'allais dire, j'aurais pu passer par là, c'est une piste cyclable, ouais, bien sûr. Enzisheim découverte et hop! Peu là, messieurs, dames. Attention au vélo. Oh, c'est trop stylé. Là, vraiment. Là, on est chez nous, là. Elle est vraiment bien faite, cette map. Mais bon, après, c'est vraiment dommage, il y a beaucoup de lignes droites et d'autoroutes. Ça, par contre, il n'y a pas à chier. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Et pourtant, c'est pas comme ça. Hein. Enfin, après, dans le Haut-Rhin. Mais bref, chez moi, c'est pas... Chez moi, les routes, elles sont insane. Là, c'est pas trop le cas. Du coup... Ouais, regarde... Non, mais frère... Mais toujours plus, tu sais quoi, genre... toujours plus. Non. Y a pas de ça chez nous, là. Vous vous démerdez, hein. Moi, je suis juste là pour livrer du lait. Rien de plus. Hop. Et voici, messieurs, dames. Et merde. Je suis arrêté trop tôt. Hop, on est bien arrivé. Nos pâturages, c'est incroyable.
Ah, deux livraisons d'effectuer, ça c'est cool. Alors, vous savez ce que je vais faire? Drop de mic. Hop, je récupère le micro. Vous savez pourquoi? Parce que ça va être la dernière fois que je vais en profiter, puisque ça, je ne pourrai plus le faire dans la prochaine vidéo, puisque ce micro va dégager. J'espère que ça n'aura pas été trop chiant pour vous. Au contraire, j'espère que ça vous a fait marrer et que vous avez passé du bon temps avec moi. Voilà, donc ce qui serait cool pour la prochaine vidéo, si c'est possible, c'est d'aller, comme dit, tout en bas là, à Mont-Genèvre et faire cette route là. Mais ça a l'air insane, hein. Cette route là, ça doit être insane. J'imagine qu'il y a de la neige. Donc ce serait vraiment sympa de pouvoir faire ça dans la prochaine vidéo. Je vais mettre ma tête en grand. Voilà, comme ça vous voyez l'envers du décor. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. Je suis tranquillou bilou. Et bref, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, les copains, n'oubliez surtout pas le pouce bleu. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais plein de bisous, les amis. Je suis persuadé que je voulais encore dire quelque chose, mais en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis voilà, plein de bisous. Ciao tout le monde. You